Alors je représente Monaco Télécom, qui est l'opérateur en principauté et qui est sponsor depuis maintenant une dizaine d'années du Mare Nostrum. Pourquoi le Mare Nostrum? Parce que tout simplement, nous en tant qu'opérateur, on est déjà présents sur l'ensemble des grands événements à Monaco et le Mare Nostrum en fait partie. Donc on est partenaire technique déjà, parce qu'effectivement on apporte notre savoir-faire sur l'événement, mais également pour les valeurs du sport qui sont véhiculées par ce grand rendez-vous. Alors, les valeurs du sport sont des valeurs qui sont importantes chez nous. On fait beaucoup de sport chez Monaco Télécom. On a beaucoup d'équipes, pas encore de natation, mais peut-être un jour. Non, les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est les valeurs d'entraide, de solidarité, de persévérance. Voilà, parce que la natation, même si c'est un sport individuel, c'est avant tout un travail d'équipe au quotidien qui est important. Et ce sont des valeurs que nous portons au sein de l'entreprise tous les jours. Oui, je connais le tournoi de vitesse, puisque je viens, moi, depuis plusieurs années. Et effectivement, je connaissais le tournoi de vitesse, qui est toujours très impressionnant et qui va forcément très vite. Effectivement, c'est un petit peu l'élimination directe, on va dire. C'est la performance sur l'instant. On a droit qu'à une chance, même si il y a plusieurs courses. Mais voilà, c'est l'élimination directe et ça fait toujours un petit peu plus de suspense. Mais j'ai une de mes filles qui nage à l'AS Monaco Natation depuis plusieurs années maintenant. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, bonne fin de meeting. Merci, vous aussi.